Et on passe au football. Le SCB recevait Saint-Rémy hier à Fouriani, le premier du championnat national 3 contre le deuxième. Vainqueur 1-0, les Bleus conservent la tête du classement, mais cela n'a pas été sans mal. Sébastien Bonifay, Guillaume Leonetti. Au coup de sifflet final, la joie sur le visage des Bastiais, mais aussi le soulagement. Hier à domicile, le Sporting voulait imposer son jeu et rappeler que le leader, c'est lui. Ça n'a pas été simple. Première mi-temps, les Bleus ont le ballon, mais la domination est stérile. Saint-Rémy, solide, n'est pas inquiété. Le match est tendu et à la 33e minute, une nouvelle faute tourne à l'empoignade. Résultat, deux cartons rouges, l'un pour Santé, l'autre pour Simonde. Privés de leur attaquant, déjà 6 buts au compteur, les choses se compliquent pour les Bleus. Au retour des vestiaires, Saint-Rémy se montre décidé à ravir au Sporting la première place du championnat. Les Bastiais, de leur côté, semblent bien timides. À leur crédit, quelques rares tentatives, pas vraiment dangereuses. Et puis, 83e minute, sur un bon coup franc de peau, Djiguibert trouve de la tête la lucarne du gardien adverse. In extremis, les Bleus conservent leur précieuse première place. Et pour l'entraîneur, c'est le principal. Je ne trouve pas d'excuses. Je dis simplement qu'on a joué contre une bonne équipe qui nous a mis en difficulté. Qui a eu des situations, qui a eu l'opportunité de marquer, mais nous aussi. Après, dire que c'est mérité ou pas, honnêtement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'on a pris 3 points. Le National 3, c'est d'abord un combat et les Bastiais le savent. C'est en gagnant ce genre de match qu'on commence vraiment à y croire.